bois des Hackett. 22h30. Emma! Putain, c'est pas vrai. Ah, merde! Ah, merde! Ah, oh, il y avait encore l'espèce de dame blanche. Merde! Enfin, la voyante. Ouais. L'autre, il est toujours en slip. Jacob, c'est Emma, la merde. C'est toi! Non, bah non! Tu te doutes que c'est pas Emma? Il est con ou quoi? Ouais, mais son dos, attends, mais il m'est arrivé quoi? Pourquoi je suis griffé à ce point-là? Je m'étais fait attaquer pour finir? Et mon dos est explosé! Je marche vite. Ah oui, c'est vrai que j'étais tombé. Putain, je me suis pas raté, hein. Oh bordel. Ça doit pas faire du bien. Je sens que là-bas, il y a une carte. Ok, non, il y a un appareil photo. Trop beau jeu, ouais, le jeu est magnifique. Mais c'est l'appareil de qui, ça? Je me rappelle pas qu'on avait quelqu'un qui avait un appareil photo. Ah non, ok, j'ai trois appareils photo et je prends la carte mémoire qui est dedans. Mmh. Ok. Il y a peut-être un truc là-dessus. Ah, je repose l'appareil, ok, logique. Bon, j'ai pas 36 endroits pour mettre la carte, hein. Vu la façon dont je suis habillé, autant vous dire que je me viens de me foutre une carte SD dans l'arrêt, là. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'oublie pas, Yoshi, j'oublie pas. Regarde, je regarde partout. J'en étais sûr. Let's go, on a la carte. Let's go. Let's fucking go. T'as déjà loupé un truc. Je veux rien savoir. Ah non, j'ai loupé un truc. Okay. Ah non, il y a bien quelqu'un qui a dit t'as déjà loupé un truc. Jerky, je veux pas savoir. Tu vas te prendre 10 minutes. Tu vas te prendre 10 minutes parce que le backseat et le spoil, on n'en veut pas ici. A plus, mon vieux. Bonne continuation. Merci, Yoshi. Ils sont cons ou quoi les deux? Oh putain de merde! Nerveux ou ravi? Content de te voir. Non, quand même, on va pas l'insulter. Sérieux? Oh, je suis content de te voir. Quoi? Elle veut quoi celle-là? Merde! Sérieux? Tu m'as laissé toute seule là-bas, connard! Mais tu rigoles ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, j'en sais rien, d'accord? Un genre d'ours a attaqué Nick et Abby là-bas. Ouais, moi aussi, mais c'est pas un ours. C'était pas un ours. Ah oui, voilà. Quoi? Qui? Quand? Pourquoi? Pardon. Il y en a plusieurs. Content que t'as... Ah non, ok, j'ai cru qu'il allait conclure qu'il y en avait plusieurs parce que c'était au même moment. On m'a attaqué, on aurait dit... Quoi? On aurait dit quoi, Emma? Comme un truc de film d'horreur. Ok, bon ben, c'était probablement juste un ours qui voulait se défendre. Non, joue pas au con, je te dis que c'était pas un putain d'ours. Bon, d'accord. Et maintenant, on a ces putains de chasseurs qui rôdent de partout comme s'il nous manquait plus que ça. Mais ils sont gentils, j'en suis sûr. C'est eux qui m'ont fait ça. Ça fait beaucoup de sang. Oui, mais c'est pas le mien. Faut que je te dise un truc. Tu refoules. D'accord. Cette saloperie m'a mordu. Faut que je montre ça à Kathleen. Ah non, elle a été mordue elle aussi. Il t'a mordu, c'est... cette petite marque. Oh. J'aurais juré que c'était plus impressionnant. Non, elle s'est pas fait mordre. Je pense qu'elle a confondu. Elle s'est raflée, okay. Ou quoi, y a rien. Faut qu'on sorte de ça. Y avait même pas trace de... Ouais, sans déconner, Sherlock. Des espèces de gangrènes toutes noires, là. Tu sais, Jacob... T'as pas non plus besoin d'être un connard en permanence. Bah c'est toi là qui est détestable. Non, c'est bon.
Hey, je la recale. J'essaie juste de nous garder en vie. Je me débrouillais pas si mal toute seule. Quoi? Là, elle est trop... Attends, elle est trop chiante. Je vais pas subitement tomber amoureuse de toi parce que tu joues au chevalier blanc. Tu sais, je serais même pas étonnée que ce soit toi qui ait tout organisé. Mais elle est malade ou quoi? Quoi? Bah après, remarque, on a niqué la voiture. Oh, il y a la bête. Là, on va voir que c'est pas un ours, je pense. Ça sent le QTE, ça sent le QTE, sa mère. On part sans elle, hein. On en a rien à foutre. Mais j'avoue, ils se font chasser par un truc, je sais pas quoi, ils restent en détente, en slibard, en train de parler. C'est bon, tu vois que c'est pas un ours, ça. Il faut le flash, là. Pardon! 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 Tu tomberas pas plus bas! Putain! Jacob! Pardon! Moi je cours, hein. Je suis pas de la team qui se cache. C'est les chasseurs, mais ils me cherchent pas moi. Oh putain, je suis pas tombé au bon endroit. Il va se mettre le pied dans un... Non ! Oh putain ! Ah ! C'est pas vrai ! Oh sa mère la pute ! Dans le tendon et tout ? Se dégager ou écarter ? Bah écarter ! La bestiole, elle va arriver. Vous pourriez... Ok, c'est pas des méchants. Je pense vraiment qu'ils nous chassent, mais pour notre bien, eux. Ils nous chassent avec leur matos de chasseur parce qu'à la base, ils chassent la bête. Mais je pense vraiment que c'est pour... Je pense qu'on n'était pas concernés par le truc, hein. Le vieux... Moi, je reste persuadé qu'ils sont gentils, les gars. Je pense vraiment qu'ils veulent notre bien et qu'ils veulent juste nous protéger. Par contre, c'est qui, elle? J'avais oublié qu'il y avait une meuf dans la piscine. Elle est avec ses chasseurs, là? Je crois pas. Est-ce qu'on doit faire quelque chose? On doit faire un truc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle est morte. Je veux dire, pour le corps. C'est Kaylee Hackett. La fille de Monsieur H? Elle est rentrée avec son frère. Kaylee... Ouais. Je croyais aussi. Mais attends, Monsieur H, il va péter un boulard, là. Il va péter un boulard. Mais merde. Pauvre Kaylee. Nick! Tu sens trop bon. Non mais lui, il a un problème, faut intervenir. Je vous dérange pas? Essaie de te calmer un peu, hein. Oh, il est trop bizarre. Kathleen. Hey. Mais il m'est mal à l'aise, là, il y a un problème. Merci Snow pour le sub, merci beaucoup. Nick, qu'est-ce que tu... Je veux te goûter. Hé ! Viens là. Oh, Nick, arrête ça. Oh, arrête. Attention, Nicky, arrête. Est-ce que les bêtes comme ça craignent l'eau ? Nick. Il va s'être transformé. Ok, il craigne l'eau. Aidez Nick, réconforte Abby, je l'aide pas. Je laisse ça se voir qu'il est en train de se transformer. C'est bon. Tout va bien. Je te tire. Les dépasses, Bolos. Attends, il est plus contaminé là, si? Il avait plus rien? J'en sais rien. Ne touche pas, il me fait peur. Il est gelé. Ok, on l'emmène dans le pool house, faut qu'il sèche. Ok, en tout cas, ils aiment pas l'eau, ça c'est bon à savoir. Hein. Salut les gars, salut à tous ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour un très très grand live, donc j'espère que vous êtes pas trop fatigués. Merde, je suis désolé.
Mais il voit pas qu'il est tout veineux, qu'il y a un problème là? Le gars, il a le visage, on dirait le chip de Manuel Ferrara, c'est qu'il y a un, souci, il y en a partout, genre. C'est propre à ce que j'ai vu. Ça va pas, c'est qu'il y a un problème, ils sont cons ou quoi? Il va falloir un médecin. Vraiment, je capte pas. Bon, c'est tout ce qu'il me reste de l'infirmerie. Oh, cool. T'as plus qu'à espérer qu'on trouve de l'aide avant que ça fasse plus effet. Il faut qu'on garde une trace de tout ce qui se passe, ok? Pour la police. Ouais. Faudra expliquer la fille morte dans la piscine. Hé, on se calme. Non, mais des photos ou ce qu'on peut... J'ai juste l'impression que les flics vont avoir du mal à croire tout ce qu'on leur racontera si on n'a pas de preuves solides. Mais ça, je suis bien d'accord. Non. Si vous avez votre téléphone et que vous voyez un truc, prenez une photo ou une vidéo. Ouais, ouais, on sait jamais, c'est vrai. C'est... En vrai, c'est pas con, parce que j'avoue, là, jamais ça ils auraient cru quoi que ce soit. Hein. Et si t'essayais de trouver quelque chose pour que Nick soit mieux installé, qu'est-ce que t'en penses? Genre une cage. Putain, on devrait vraiment l'enfermer. Je comprends pas qu'il voit pas qu'il y a un délire avec lui, là. Si je vais pas le voir, je laisse tout pourri, là. À moins que la flotte les soigne, hein, j'en sais rien. Ouais, une cage ou un cercueil, voilà, ça me va très bien, moi. Je rentre partout voir s'il y a... Il y a une carte. Let's go! Let's go! C'est bon, mais je suis trop fort, en fait. Je suis trop fort. D'habitude, on trouve pas les cartes, là. Un chapitre de cartes, déjà, c'est du jamais vu pour nous. Alors, est-ce qu'il y a de quoi l'étouffer là-dedans? On peut lui mettre une... C'est quoi, ça? Cet endroit était complètement différent il y a 12 heures. Oui, c'est vrai que c'était moins flippant il y a 12 heures. Oui, Lolo, le bébé a été battu. Malgré un manque de chance énormissime. Genre, vraiment, je te jure, je pense que c'est un tournoi où je pouvais faire 200 points. Je me demande où est Caleb. C'est qui lui? Vas-y, mais j'ai pas envie d'aller prendre un truc pour l'aider, l'autre. Je peux pas leur parler à eux, non? Du PQ, on lui donne du PQ. Le jeu est trop beau, par contre, hein, vraiment, c'est insane. Bah, y'a rien. Elle m'a dit, allez voir si je peux lui trouver quelque chose, y'a que dalle. Bah. Y'a rien, je suis obligé de lui parler en fait. Ah putain, il est encore veineux en fait. Il est pas du tout guéri. Mais il voit pas qu'il a une tête bizarre, genre. Vraiment, je comprends pas. Là, il voit pas là. Je comprends pas. Eh, hey, il y a un truc pas normal avec Nick. Ah oui, merci. Ouais, il est vraiment mal. Vous avez vu comment il a flippé dans l'eau? Ouais, on aurait dit... un poisson. Mais hors de l'eau. Non? Ouais. D'ailleurs, il y a eu un truc bizarre quand j'ai essayé de nettoyer ses plaies. Au chalet. C'est-à-dire? Bah, ses fringues étaient pleines de sang, mais j'ai pas trouvé de traces de morsures, de griffures ou rien d'autre. Il était très agité, il voulait me cacher la gravité de ses blessures, je crois. Enfin, putain! Enfin, ils en parlent! La rage? Non, ils bavent pas du tout. Je crois qu'Abby serait pas d'accord. Ouais. L'aquaphobie, c'est pas un symptôme de la rage? L'hydrophobie, ouais. Mais je crois que c'est plus la peur de boire, pas d'être mouillé. Il ressemblait à... À mon chat dans la baignoire. Mais allez. Ouais. Putain, bloquez-le ou faites un truc vraiment avant que ça devienne une dinguerie là. Abby. Oui. Non, recule, recule. Je peux te poser une question? Est-ce que je peux te goûter? Bien sûr. Est-ce que je te plais? Oui, vas-y, on va le calmer parce que... Nick. Parce que je pense que sinon il va devenir nerveux. Réponds.
Oui, allez. J'ai passé des super moments avec toi cet été. C'est vraiment... Quoi ? C'est une réponse pour rien dire. Ah, ta gueule, c'est bon. Vas-y, recule, il est trop chelou, là. Mais... Quoi ? J'ai quelque chose à te demander. Encore ? Ok. Je t'écoute. Pourquoi tu m'aimes pas, Abby ? Tu fais trop peur. Vas-y, je fais genre. Nick, mais si, je t'aime bien. Non. C'est faux, tu m'aimes pas du tout. Mais si, enfin. Dis-moi la vérité. Mais c'est la vérité. Oh, merde. Je me suis encore fait avoir. Quoi? Attends, je vais être honnête la prochaine fois. Prochaine fois, je le calme. T'es pas une lumière, avoue. Pauvre conne d'Abby. Arrête. Mais il voit bien qu'il y a un problème, putain. C'est une bonne poire. Une proie facile. C'est pas toi. T'es pas comme ça, je... Mais putain, mettez-lui une balle dans la gueule, là. Wesh. Oh putain, what the fuck. Abby. Abby, est-ce que ça va? Go lui tirer dessus. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Il prend le coup, bordel. Je pense que j'aurais dit... Putain, en vrai, c'est ça qui m'énerve avec ce jeu. Là, les gars, je vous jure. J'aurais dit... Non, t'as raison, je t'aime pas, tu me fais flipper, t'as changé. Ça aurait, il m'aurait poussé pareil au même endroit, ça aurait été le même truc. Le jeu, quoi que tu fasses... Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, c'est toujours pareil qui se passe, c'est sûr et certain, genre. Y'a pas le choix, focus, c'est comme ça. Je tire rien à foutre, en vrai faut le tuer, hein. Non ! Oui. Oh sa mère la pute. Ok. Ça te dit quand c'est un choix décisif, c'est écrit chemin choisi. Ah, c'est pour ça qu'il y a ça après, ok. Ok, bah écoutez, il est terminé là, il est mort. Bah il se passe quoi? Oui, j'aurais pas tiré, ça aurait été pareil, il se serait changé, c'est sûr. Il y a un problème là. Les gars, ça a planté, non? Ah non, ça a sauvegardé. What the fuck, le temps? T'as terminé le jeu, let's go! La fin vraiment nulle, t'sais. Elle est dans la merde, non? Vas-y, va sécher au coin du feu déjà. Mais où ils sont tous passés? Elle devrait enlever ses fringues, tout mettre à réchauffer et tout, à sécher. Okay. Parce que si en plus de ça, elle fait une putain de... Si j'étais monitrice, comment ça s'appelle? De trucs, tu sais, quand t'as froid, la d'hypothermie et tout, on n'est pas dans la merde. Traîner près d'un feu de camp et qui se mettait à pleuvoir,
et qu'il y avait des monstres... Elle est vraiment trop calme, hein, par contre. Moi, j'irai... au chalet. Bah oui. Allez, bon... Ça peut toujours servir hein, pour faire diversion. Putain, heureusement que je me suis retourné. Je pense que c'est le genre de truc là, tu vois, de m'être retourné, ça va clutch. J'y crois. Hein. Parce que là, normalement, quelqu'un serait parti tout droit et il aurait rien eu pour faire diversion quand il y a le mob ou quoi qui arrive. Je savais pas que les gamins avaient été si traumatisés. On est vraiment nuls comme moniteur. Regarde juste s'il n'y a pas une carte ou quoi. Ok, il n'y a pas l'air d'en avoir. Ok, il n'y a pas de carton, on y va, on trace. On joue vraiment à un film par contre les gars, c'est abusé hein. Ah. Faut que je parte ici. Oui. Oh putain, on est traqué par l'espèce de truc de merde là. Je vais passer par en haut. Putain, on devrait pouvoir courir, les gars, hein, je vous jure. C'est frustrant de fou. Merci, à merci beaucoup pour les 23 mois, putain. Plus qu'un mois pour les 2 ans, merci 1000 fois. Merci énormément, vraiment, pour le soutien. Vous régalez de fou en ce moment, c'est incroyable. C'est quoi? Ah. Ok. Je sais où est la tête, hein, du coup, elle était sur un pic. Y'a rien d'autre. Je pensais qu'il y aurait une petite carte ou un truc. Attends, la bête elle est juste là. Je l'ai pas vue genre. Le mec, je vais vraiment là où il y a la bête là. Juste faut pas que ce soit un putain de cul-de-sac. Bordel. Ça c'est un endroit où il pourrait avoir une carte. Comme la bête qui me prend dans un cul-de-sac. Ok, y'a rien. On a de la bol niveau, du bol niveau batterie avec notre téléphone. Nous par contre, hein, putain. Emma elle est énervante au pire, hop, moi je l'aime quand même bien. Dans le fond. Est-ce qu'on a une carte par là? Non. Ouais, c'est une influenceuse, elle doit avoir une batterie externe, elle avait tout prévu je pense. C'est tellement frustrant de pas pouvoir courir les gars. Ça mollit le gameplay de ouf. C'est quoi ce bruit? Chut, allez. Non, fais pas ça. S'il te plaît, c'est que... Allez, c'est surtout, je les esquive pas, eux. Eux, je les esquive pas. Ah, ils ont capturé un des deux trucs. J'ai encore jamais fait ça, papa. Non, je reste là. Je reste avec eux.
Je reste avec eux, je pense que je suis en sécurité avec eux plus que toute seule. Clairement. Ils font chier ces gamins. Quoi, Visto ? Parfait, parfait. C'est vraiment idéal. Stop ! Arrête de gigoter ! Donne-moi la seringue. Elle a été mordue ? Pas. Comment veux-tu que je le sache ? J'en sais rien. Laisse-moi regarder. Non. Lâchez-moi tout de suite ! Non, faut que je me laisse faire, faut que je me laisse faire. Mais pourquoi ils disent pas « on vous veut aucun mal » ? Genre, c'est le seul truc qu'ils devraient dire ! Ça fait une heure qu'ils nous chase, qu'ils disent juste « venez, on se met en sécurité tous ensemble », ça n'a aucun sens. Ah non, je voulais divertir la bête, moi, mais qu'est-ce qu'elle est con ! Mais attends, mais elle est débile ou quoi ? Fais vers la bête, mais qu'est-ce qu'elle est con ! Mais là, il devrait marquer jeter le pétard dans la gueule du vieux, tu vois. Il te file un pétard, il y a la bête sauvage, tu te dis, bah vas-y, bien sûr, je jette le pétard. Elle le jette dans la gueule du vieux, c'est imprévisible, genre. Même si tu... Moi, au fond de moi, je sais ce que je veux être allié avec les vieux, je pense qu'ils sont gentils, tout ça. Eh ben le jeu, il me laisse pas faire. C'est trop frustrant, putain. C'est vraiment trop frustrant. Ça doit être quitté pour refaire, je vous jure, c'est vraiment de la merde. Ryan ? En même temps, les vieux, les deux, ils sont trop débiles aussi, hein. Il y en a pas un qui s'est dit, on va peut-être leur dire qu'on est gentil. Aucun. Ça se trouve, du coup, j'aurais pu garder le pétard pour plus tard en plus. Putain de merde. Rage pas, t'inquiète, je rage pas, mais c'est frustrant de fou en vrai. Parce que même si t'as un plan de jeu, le jeu te laisse pas le suivre. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Mais non. Il était déjà en mort. En général, les gens morts, ça saute pas par les fenêtres pour s'enfuir dans les bois. Oui, voilà, ouais. J'aurais pas dit mieux. T'as fait ce que tu devais faire. Abby, il allait te faire du mal. Tu t'es juste défendue. Non, mais... J'en suis pas aussi certaine. Moi si. Non. Non. C'était lui ou toi. Et ça, c'était clairement pas lui. Putain, mais quelle merde. Oh putain. Bordel, où est passé Chris Hackett ? Qui est-ce ? Qui est là ? J'ai besoin d'aide. Pitié. Vous êtes qui ? Je m'appelle Laura Tierney. Et ? Et ouvrez-moi, c'est dangereux dehors. Vas-y, ouvre-lui. Il y a une tarée avec un flingue qui bute des gens. Tenez. Laura qui ? Tu es personne. Oh merde, non. Laura Kearney, t'es Laura Kearney ? Oui. T'étais censée travailler, t'étais censée aider à l'infirmerie, non ? Et t'es jamais venue. Toi et l'autre gars, qui déjà ? Max. Ouais, Max, voilà, c'est ça. Monsieur Hackett a dit que vous aviez changé d'avis au dernier moment. Attends, c'est la meuf du début de l'histoire ? Je crois qu'on devrait l'écouter. Dedans. J'ai un doute, tu me rappelles plus ? Je vais ouvrir la porte. Bah oui, de toute façon, il n'y a pas de méchants. Les seuls méchants, c'est les espèces de loups-garous chelous. Putain, j'ai mal à la nuque, les gars, c'est horrible. Désolé si j'ai je fais des têtes de con en me tordant la tête dans tous les sens, j'ai vraiment mal. Attends, c'était elle ou pas ? Je reconnais pas. Je crois que c'est elle, mais en version... Elle est devenue chasseuse de bêtes féroces, là. Pourquoi elle a un œil crevé et tout, là ? Il s'est passé quoi, putain de merde ? Elle a juste chaud. Mais elle peut pas avoir juste chaud, parce que là, ils viennent de dire qu'apparemment, elle devait travailler avec eux. Genre, comment elle aurait changé à ce point-là ? Ton jeu, il a un souci, ouais, il y a des petits lags, il y a des petits trucs, c'est bizarre. Mais c'est full bugué, il y a une couille, là.
Je vais relancer après. Comme nous nous retrouvons. C'est décalé et tout. Que vous et moi. Oh, ok. Et si nous regardions... La justice. Ok, je vais regarder les cartes que j'ai trouvées. Enfin, cela peut aussi signifier parfois la causalité. Les actions ont des conséquences. Il y a un équilibre dans toute chose et nous avons tous un rôle à jouer pour essayer de maintenir cet équilibre. Fragile. Putain de merde. J'essaie de me retenir de bouger ma nuque. Je me retiens. La lune. Si vous me voyez me retordre le cou, vous marquez hep 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 dans le chat parce que je pense que j'améliore pas mon état là. Maîtriser sa peur et son anxiété. Allez la vieille, arrête de parler, montre-nous les visions. Si vous y parvenez et prévoyez, votre ruse pourrait vous sauver la vie. Non mais j'ai pas mal au point de pas streamer, Yoshi, c'est juste je suis dérangé. Mais dites-moi, souhaitez-vous plonger plus profondément dans l'un des nombreux futurs possibles? Oui, montre-moi. Voir plus. Faites votre choix. Je veux voir les deux. Je veux voir les deux. Ok, je crois que la pirate, elle a tiré sur quelqu'un qu'il fallait pas. Bien, allez-y, hop hop. Une de moins, rappelez-vous. N'est-ce pas terriblement excitant? Merci le corbeau, c'est gentil. Bah, mes vidéos, elles sont vraiment basiques, hein. Sur la chaîne principale, je fais vraiment du react simple, simple. Alors, et efficace, comme j'aime. Pourquoi vous êtes pas venu? Vous étiez où pendant ces deux mois? Ok, ça a l'air de fonctionner, les gars. On est arrivé un jour plus tôt. C'était pas une bonne idée. Attends, deux mois, j'ai ramassé comme ça, là? Ah, c'est un flashback? C'est tellement bien fait, mon Dieu. Le shérif, il l'a mise en prison. Max. Viens là. Allez. Là-dedans. Son œil est histoire cette fois-ci. Ben, on a vu qu'elle avait des traits là, donc elle va se faire griffer un moment. Ah! Ah, c'est Max qui s'est transformé, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça. En même temps, ils sont cons, hein, les gens dans ce jeu. Genre le flic, au lieu de nous dire « Non, vous allez là sans raison », pourquoi il nous dit pas, par exemple « Il y a quelque chose de dangereux qui rôde pour votre sécurité, allez au motel cette nuit ». Genre, c'est pas dur, putain de merde. Ils sont tous trop cons dans ce jeu, ils parlent pas. Ils te laissent, tu dois deviner, genre. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que vous avez fait à Max? La ferme. Vous pouvez pas... La ferme. Je vais poser des questions. Et vous, vous répondrez. Non. Laura Kearney. Avec qui vous êtes? Et quel est son lien avec vous? Max Brinley, c'est mon copain. Bah, il est mort. Où alliez-vous hier soir? À la colo de Hackett Squarry, vous le savez déjà. Qu'est-ce que vous avez fait à Max? Non. Je pose les questions, vous répondez. Et c'est comme ça que ça marche. Allez, sois obéissante. Putain, déjà que vous nous pétez les couilles. Ok. Vous voulez quoi? Bah. Eh ben. Il parle
parle trop mal, bah il a raison, ils sont débiles. Pourquoi vous alliez à Kent's Quarry ? Max et moi, on est moniteurs. Non, arrêtez. Les moniteurs arrivent qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on est arrivés en avance, on s'est dit qu'on irait... voir le camp. Pourquoi ne pas aller au motel, comme je vous l'ai dit ? Mais parce qu'on était... beaucoup plus près du camp... et fauché. Je vais être gentil. Ok, shérif. Hackett. Hackett comme... Chris Hackett ? Ne change pas de sujet. Yoshi, ceux qui demandent des théos, faut les bannir. Qu'est-ce qui se passe ici ? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Vous êtes pas leur toutou, hein ? Tu n'imagines même pas. Merci, Greg. Vous vous êtes fourré dans ce... Merci mille fois pour le sub. Merci pour ton prime. Catégorie A, non, de chill. Ok, ok, je vous laisse gérer. Et la seule plus gentil que moi. C'est de la boucler et de faire ce que je dis. Est-ce que c'est clair ? Pitié, arrêtez vos intimidations. Pitié. S'il vous plaît. Arrêtez de vouloir m'intimider. Et dites-moi plutôt ce qui se passe. Est-ce que Max est vivant? J'ai l'impression de devenir dingue. Quoi? Allez, c'est bon, il est gentil, il nous ouvre les menottes. Attaquer, bah non. Avance. Hé ! Ah, il est vivant ! Hé, hey, vous ! Connard ! Mais c'était quoi le truc qu'on a vu l'autre fois ? Ce que c'est que ce bordel ? Max ! Je sais que vous m'entendez ! Attends, mais comment ça, il est en vie ? Il est en pleine forme en plus ? Merde ! Est-ce que ça va ? Max ! Est-ce que ça va ? Ouais. Il a été mordu, c'est sûr. Enfin, je suis un peu en vrac, mais... plus ou moins intact, je crois. Laura ? Ouais ? Pourquoi je suis à poil ? Quoi ? Eh ben, on s'est fait attaquer. Et après, je me suis réveillé dans une cellule et sans toi. Et maintenant, t'es là et j'ai plus mes fringues et il y a du sang et des trucs partout. What the fuck ? Qu'est-ce qui s'est passé, putain ? Ben, j'espérais que tu le saurais. J'espérais un peu que tu pourrais me l'expliquer. Je crois que je me souviens de certains trucs, mais... ça n'a aucun sens. Mais attends, on dirait que c'est transformé, genre en mode la nuit il se transforme et le soir il redevient humain. Drogué ? Peut-être qu'on a été drogué. Par un flic ? Ils ont le droit de faire ça ? Ça se trouve, le jour ils redeviennent eux-mêmes. Qui, ce type ? Parce qu'il a clairement explosé hier, quoi. Apparemment. Norskill ? Ouais. Max ! Quoi ? T'as regardé la carte, au moins ? À Kent's Quarry, à Norskill, c'est la ville. Ah. Et c'est même pas le pire. J'ai jeté un coup d'œil à son badge et... enfile ça. Il t'a donné quoi ? Des fringues. Pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis. Hey ! J'ai dit que vous pouviez vous parler ? Ça va, chill, on peut parler quand même. Vas-y, je vais faire un genre obéissante pour lui faire plaisir, mais il nous pète les couilles. Désolé, on va se taire. Ah ouais ? Max ? Hey, vous avez fait quoi de ma vraie copine ? Allez.
Ok, le policier s'attendait pas à ça. Ok, grand. On va devenir pote. Présente-moi tes mains. Allez! Moi, je pense que le jour, ils peuvent reprendre leur apparence. Enfin, je sais pas, il y a un truc. C'est trop bizarre. À toi. On y va. J'irai nulle part, on peut faire ça, là. Dépêche. Hé! Putain, Max, arrête de péter les couilles! Je sais pas! Allez, bouge! C'est bien. Il me prend par le cou comme si j'étais son petit chaton! Hé! Hey. Qu'on me porte par la arrête peau du cou! De gigoter. Inquiète ou droite? Calme-toi, Max! Calme-toi, Max! Tu nous. Max, arrête! Tu fais qu'empirer les choses! Mais oui, Max! Laura! T'es con ou quoi? J'essaie de le calmer un peu! Qu'est-ce que vous lui avez fait? La ferme! Quelque chose qui peut me servir. C'est quoi? Ah ben voilà, une brique. Allez, on prend. Après, c'est un flashback, donc je pense que mes choix, là, on s'en bat les couilles, hein. Peu importe ce qu'on fait, ça changera rien. J'ai besoin d'une sorte de levier. Je pense, vu que c'est un flashback. Quelle différence? Elle est déjà là, amochée, elle lui manque un œil, son mari, enfin son chéri, on sait pas où il est. Ça va rien changer du tout, que je me porte, qu'on porte bien ou pas bien, je pense. On va voir. Bon, de toute façon, je vais continuer de jouer comme si. Comme je le ferai naturellement, et on verra si ça change un truc ou pas. Hein. Je vois bien quand elle démonte le mur, elle veut péter la gueule du flic là ou. Si jamais c'est la merde, elle peut prendre une brique pour se défendre. Pour quand Max va se transformer par exemple et venir essayer de nous tuer. Au moins on pourra lui mettre un coup dans la gueule. Je marque facilement. Arrête ton cirque. Dès qu'on sort d'ici, vous êtes mort, sale connard. Ah, ok, j'ai pas eu le choix là. Oui. Dès que vous sortez. Vas-y, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je viens de l'insulter. C'était censé vouloir dire quoi? Hé hey! C'était censé vouloir dire quoi, connard? Hé, hey, vous pouvez pas nous laisser là! Hé hey! Mais t'es là, t'es calme, tout va bien, d'un coup elle traite de connard, tu sais pas pourquoi, alors que tu fais des efforts pour que tout se passe bien. Ça a vraiment pas de sens, hein, comment est foutu le jeu. Mais c'est quand même bien, genre, l'histoire est cool, c'est cool à suivre, mais putain, les choix sont débiles, genre. Les choix sont vraiment mauvais, c'est nul. Tu veux suivre un plan? Bah tu peux pas parce que le jeu décide quand ça va, quand et comment les choses vont se passer. Est-ce que ça va? Ça guérira. C'est qu'un pied. Je parlais de l'interrogatoire. Non. Ah ouais. C'est au pied lui qu'il a été mordu? On brise pas le vieux Max. C'est pas le premier qui a essayé. Arrête tes conneries, Max. Il m'a juste posé un tas de questions. Un tas de questions bizarrement spécifiques sur nous, et où on allait, et pourquoi, et comment je me sentais ce matin, et... J'en sais rien. Rien de ce que je disais avait l'air de vraiment lui convenir. Il t'a demandé comment tu te sentais? Ouais. Pourquoi, pas à toi? Non. Hein. Chaud. C'est sûr, il est infecté, il y a un truc, genre le jour et la nuit, il y a des... Genre ça se trouve, un des deux qui nous attaque dans la nuit de monstre, c'est lui. C'est lui en version transformée, genre.
Ah, il t'a rien demandé. Oh, et est-ce que t'as acheté un coup d'œil à son badge? C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bite? C'est Hackett. Shérif Hackett. Tu crois que c'est la famille de Chris Hackett? J'hallucine, c'est le Chris Hackett? Ouais. C'est qui, Chris Hackett? Eh bah, le directeur du camp, Monsieur Hackett, de Hackett Squarry, tu te souviens? Putain, hier soir, ça me paraît tellement loin. Mais ça veut dire quoi? Tu crois, c'était un piège? C'est peut-être une sorte de réseau d'enlèvement, de, je sais pas, moniteur de colo. C'est logique, quoi. Attends. Attends, quoi? C'est complètement con. Quoi? Mais t'es défoncé. Ok, le shérif Hackett a peut-être pas vraiment le profil d'un kidnappeur typique, mais... il a pas trop le profil d'un flic non plus. Mais ouais, je sais pas, ils ont l'air de pas se souvenir de ce qui s'est passé hier. Kidnappeur. J'essaie simplement de nous sortir d'ici, et j'y arriverai pas tant que j'aurai pas compris pourquoi on est dans cette merde. Mais il se rappelle pas, l'autre elle a pris une piqûre, donc peut-être que je sais pas, elle a oublié en mode gueule de bois, mais ça me paraît bizarre. Quoi? Mais c'est obligé. Mais il y a des choses qui s'expliquent pas. Et donc, on va rester en tôle ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça? Encourageante, vas-y. Ça va pas durer, Max. Il peut pas nous garder ici éternellement. Il avait pas l'air du même avis. Il faut que tu restes positif. Tu peux pas dire ça. Pourquoi? Autant se faire une raison, non? Non, c'est mort! Il faut que tu penses au reste de l'été, Max. À la fac. Je rêve de devenir veto depuis l'âge de 5 ans. Et c'est pas cet enfoiré de flic de merde qui va m'en empêcher. Ils ont rien fait, là. Enfin, en tout cas, elle est vraiment pour rien au truc. On va elle... sortir d'ici. Je vais faire mes études de veto, et toi... tu vas... Quoi? Je vais faire quoi? Bah, mourir. J'ai vu ton courrier, Max. De quoi tu parles? J'ai trouvé la lettre de refus de la fac. Elle était dans ton sac. T'as fouillé dans mes affaires? J'y crois pas que tu m'aies rien dit. Elle a même pas fouillé, c'était au milieu du coffre. J'avais honte. Mais tes notes étaient bonnes et ta disserte était super bien. Ouais, mais pas assez apparemment. Merde! On avait nos plans, Max! Merci, Blob! Merci beaucoup! Tu veux que je te dise quoi? Bienvenue à toi et merci pour ton Prime! Allez, un peu d'empathie! Désolé, Max, c'est. C'est vraiment naze. Eh, hey, c'est pas le pire qu'on ait connu cet été. Désolé. J'aurais dû t'en parler avant. Tu sais que tu peux vraiment tout me dire, hein? Ouais. Ouais, je sais. Ok, on est potes avec Max, encore heureux vu que c'est mon cum. C'est bon, on va plutôt essayer de se tirer d'ici, déjà. Cool, quand tu veux. Qu'on reprenne tout depuis le début. Mais attends, bon, là, son projet, c'est de se barrer avec une cuillère en faisant un trou dans le mur, je comprends donc, pas. Donc après avoir vu ce... ce truc qu'on a croisé. Ouais. Exactement. Ouais, c'est là que tout a commencé à déconner. Ah putain, il se rappelle. En fait... il a eu une réaction trop chelou quand on lui a parlé de l'animal, tu te rappelles? Comme s'il savait quelque chose. Ouais. Ouais, c'était hyper bizarre. Et si c'était même pas un flic? Salut, Lisa. Bah, il est sûrement pourri, mais... mais je dirais quand même que c'est un flic. Oui, c'est un flic, c'est un flic. On est dans un commissariat. D'accord, ouais, mais quand même. Y a personne ici, donc... ah, c'est une petite ville, c'est le shérif, quoi. Surtout avec l'histoire du nom Hackett. Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup. Ok. Donc on a rendez-vous avec Chris Hackett au camp, mais sur place... y a personne et on se fait attaquer par... un truc... et là, le flic se pointe.
Cette partie est floue pour moi. Je me souviens des marches et une odeur de chien mouillé et un collier de chien avec écrit Yann dessus. Yann. Il sait quelque chose. Je crois pas qu'on ait été attaqué par un chien. Ce truc était plus grand, comme une personne. Ouais, il s'est bien acharné sur toi. Je suis surprise que t'aies rien de plus grave. Je me souviens clairement avoir vu ses dents se planter dans ta peau. Et ouais, il est transformé, c'est sûr et certain. Le dingue dans tout ça, c'est... Lui, il est transformé, il va se transformer ce soir. Et Yann, je me demande si c'est pas limite, tu sais, l'enfant dans la quête qui gardait en sécurité dans la cave parce que bah, c'était leur enfant et qu'ils voulaient pas le tuer, tu vois. Je pense que c'est ça. Et sauf que bah, eux, ils sont rentrés par réfraction dans la cave où la famille Hackett gardait un de leurs enfants qui est contaminé, par exemple. Moi, je m'attends à un truc du genre. Je sais pas si vous voyez ma théorie. Hey. J'ai mal bordel. Question bizarre. Tu te souviens avant qu'on se perde? Que tu te perdes. Je pense que c'est ça. Ouais, non, d'accord, mais avant ça, je te disais... Waouh, regarde la lune. Elle est grosse, c'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt. Et toi, t'étais là, ouais, tu sais, Max, ça arrive tous les mois. Ouais, et... Ouais, bah... Tu sais... La pleine lune. Ouais. Lui, il croit au loup-garou à la pleine lune, hein? Et si... Ok. Non. Stop. Je dis ça comme ça. Tu sais, peut-être c'était une sorte de... De loup-garou. Non, mais tu t'en... Vous parlez sérieux? Un loup-garou? Sérieusement? N'importe quoi. Ok. Je crois qu'il y a un problème encore. Pourquoi tu ris? Parce que j'ai dit exactement la même chose. Ok. Et donc, vous avez rien trouvé de mieux? Zombies? Alien? Un vampire temporel? Tu veux des réponses? Ryan, c'est ça? Ouais. Tu veux des réponses? J'ai des réponses. Coupe-moi encore une fois, je laisse tomber. En plus, elle dit, mais t'es sérieux, mais il a clairement vu son pote se transformer en loup-garou et se barrer par la fenêtre, si donc bon. Si c'était pas si fou que ça, avec tous ces trucs qui sont arrivés à Nick... Comment ils peuvent remettre en question? Ok, en fait, ça pourrait même expliquer pas mal de choses. Dylan. Ça va, j'essaie juste de garder l'esprit ouvert. Regarde un peu tes histoires de fantômes. Je suis perdu dans le temps, parce qu'on voyait tout à l'heure, c'était deux mois avant, et là, c'est le présent. C'est juste des histoires, mais il y a forcément une explication rationnelle pour tous ces trucs, ce qui nous arrive. Attends, t'étais nettement moins rationnel quand t'as décidé de séparer ma main du reste de mon corps. C'est toi qui me l'as demandé. Et si, morsure, vous subissez d'amputer, il faut vous presser. Quoi? T'as fait ce qu'il fallait. Tu vois? Elle a même un poème dessus. Ça va plus loin que ce que... Putain, mais dans la vision, j'ai l'impression que c'est lui que j'ai tué là. Maintenant, genre. Laissez-moi terminer. Après, je vous laisse décider si vous me croyez ou pas. Je m'en fous. Mais vous devriez m'écouter. Bien sûr qu'on va la croire. On a vu notre pote se transformer en loup-garou. Qu'est-ce qu'ils sont cons? C'est incroyable d'être con comme ça. Les mecs voient un loup-garou, ils font « Oh, c'est pas possible !» Le flic nous filait à bouffer et nous faisait prendre des douches, mais à part ça, on le voyait à peine. Max et moi, on a beaucoup parlé. On se remémorait tout ce qui s'était passé cette nuit-là. On échangeait les théories les plus folles. On a parlé du flic, du camp, de l'accident, des bois, des trucs dans le sous-sol. Pardon. Ce qu'avait vécu Max, on ressassait... Tout ça en boucle, encore et encore. Et rien de tout ça n'avait de sens. Merci Alice. Merci pour vos attestations et moi le pollen, je le sens bien passer. Hein. Mais le soir, il se transformait pas du coup? Je supporte plus cette merde. Genre ça se trouve, ils se transforment vraiment les soirs de pleine lune. Ils bouffent sûrement pareil au camp, tu sais. Non, je peux plus supporter. Et c'est pour ça qu'ils étaient tranquilles pendant tout le séjour. Ouais, là je suis d'accord. Il faut qu'on tente un truc, il faut qu'on se tire d'ici. Il nous faut un plan. Arrête pas de dire ça. Mais ça dure, donc... Fais-moi signe si t'en trouves un. C'est pas comme ça que tu vas m'aider, Max. Y a un détail que t'oublies. Quoi?
quoi? Juste un tout petit détail. Je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura. Chut, pas si fort. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe avant de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de toi dans les dents, hein? Ok, stop. Un seul problème à la fois. C'est vrai, on sait pas. Les gars, je crois que j'ai débunk le jeu là. On le saura jamais si on reste ici. Ok. Bon, d'après moi, on a seulement deux vraies options. On la joue fine et on essaie de l'amadouer. Pour qu'il nous laisse partir. Vous allez voir que la blessure que j'ai à l'œil, c'est Max qui me l'a faite, c'est sûr. On tente de le surprendre et on prend la fuite. Vas-y, je dis, si on arrive okay, à sympathiser. Bon, mettons qu'on arrive à sympathiser. Et après, on brunch ensemble tous les dimanches jusqu'à ce qu'il admette enfin qu'il s'est planté. Non, je disais ça comme ça. Ce mec n'a rien de sympathique. Une fois sur deux, il nous parle même pas. Je sais pas, je pense qu'on peut l'avoir. Laura, il essaie de gagner du temps jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de se débarrasser de nous. Enfin, de toi plutôt. Pour de bon. Je crois qu'on devrait essayer, vas-y, je vais être optimiste. Il faut qu'on essaie. Et puis s'il avait voulu nous tuer, on serait déjà morts. Parce que maintenant qu'on sait tout ça, le mieux pour nous, c'est que Max il reste derrière les barreaux, en vrai. Hein. Écoute, on va... Si ça marche pas, on essaie de s'enfuir, ok? Ouais. Ok. Bon. D'accord, comment on fait pour sympathiser avec lui s'il veut pas nous parler? J'en sais rien. Il doit avoir un point faible, un truc qu'on peut exploiter. C'est pas comme si on manquait de temps pour y penser. Ouais. D'accord. Hey, Mister T. Je peux vous appeler comme ça? Pourquoi? Toi, tu m'appelles Officier Hackett. Hackett? Attendez, comme dans Hackett Squarry? Ça change quoi? C'est juste pour savoir. On vous connaît presque pas. Et c'est très bien comme ça, d'accord? Oh, mais combien de temps il les a gardés? Y a pas de raison qu'on s'entende pas, hein? J'en vois au moins 7. Sérieux? 7? Refus d'obtempérer, intrusion, conduite dangereuse, délit de rébellion, entrée avec effraction, mise en danger de la faune locale. Pas mal. Sans compter toutes vos insultes. Ouais, mais à part tous ces trucs... D'accord. Écoutez, il n'y a pas de raison que ça puisse pas s'arranger. Pourquoi faut toujours que tout soit si compliqué? Non. Je suis pas dupe. Ça marchera pas. Ah. Vous croyez qu'on va sympathiser et que je vais vous laisser sortir comme ça? Ça arrivera pas. Il a spoté le plan en une seconde. Bon, faut s'enfuir. Qu'est-ce qui vous fait peur? Là, on est dans la merde, faut s'enfuir. On sait que Max est un loup-garou. Ah, hop là. C'est bientôt la pleine lune, non? Et après? Non, jeune fille. Vous ne savez rien. Ouais, c'est vrai, peut-être qu'il attend de voir si elle se transforme aussi, je sais pas, dans le doute. C'est possible, hein. Genre, il va voir la pleine lune et du coup, il va garder Max et libérer la fille. Putain de frag! Je t'emmerde! Et voilà, il se transforme. Max, qu'est-ce qui se passe? Je vous interdis de le toucher! Il est en train de se transformer, faut qu'il se casse. Viens là. Il va lui montrer. Il va lui montrer. Assieds-toi. Arrête de bouger. T'as dit que tu voulais être veto? Alors voilà ton stage. Connard! Tu voudras pas le croire si tu le vois pas par toi-même. Ouais, et bah, demandez la prochaine fois, putain. Merde. Il a raison. T'approches pas trop. Réponds. Donne ta position. À toi.
Merde. Je dois terminer un truc ici. Appelez à l'aide. Ça sert à rien, en vrai. J'arrive bientôt. Terminé. On s'en branle. Il va nous montrer, après il va nous libérer parce qu'on se transforme pas. Je suis sûr que ça sert à rien. Bon. Entre nous, ça va pas être joli. Mais t'en fais pas. Je serai de retour à l'aube. Vous allez vraiment me laisser ici ? Ça ira. Mais t'approche pas trop. Donc là, elle va voir qui se transforme. On va voir son corps exploser. Logique d'attacher la fille, c'est un truc dangereux, non ? Bah, il sait très bien, il doit savoir qu'il va pas sortir de la cage, que c'est pas possible. Ils ont pas la force, ou j'en sais rien, tu vois. Je pense. On va voir. Parce qu'à un moment, lui, il va l'attaquer, donc c'est qu'il va se passer un truc, hein. Empathique ou froide, ça changera rien, de toute façon. Je vais être empathique, vu que c'est mon mec. T'es pas, Max. Je suis là. Ouais. Je sais. Tu vas bien ? J'ai froid. Je sais pas. Je me sens pas très bien. Tu veux quoi ? Je peux faire quoi ? J'ai fait chaud. T'as pas chaud ? Ah non, lui, il est à l'inverse de l'autre. Je suis collé à cet énorme tuyau, donc j'ai pas vraiment froid. Approche pas, ok ? Tu devrais te mettre plus loin. Y a pas grand-chose que je puisse faire à ce niveau-là. Il va exploser d'un coup, ça va faire... Bruit horrible de transformation loup-garou. Max. Il n'y avait pas encore le bruit, mais on s'est fait spoil par les sous-titres. Max. Explique-moi ce qui se passe. Ben rien, il se transforme en loup-garou. Tu veux qu'il dise quoi ? Je me transforme en loup-garou. Elle est con ou quoi ? Ça va péter! Ah bah ok, bah voilà. Voilà comment on a perdu notre œil. Comment j'ai détaché mes menottes? Il s'est passé quoi là? Les menottes, il y a eu quoi là? Ah, il les a cassées, ok, j'avais pas vu, merci. Ok, j'avais pas vu. Et là, elle s'est fait un bandeau de pirate. Adieu, vu en trois dimensions. Qui réagit comme ça quand il perd un œil? Adieu, vu en trois dimensions. Back à rock'n'roll. Arrêtez un peu votre cinéma là, c'est quoi cette histoire? Vraiment, la qualité vidéo est 10 fois meilleure que les autres streams que j'ai vus, c'est super beau. Merci beaucoup, May, c'est gentil. On met le paquet ici, niveau matos. Faute de talent, on compense le manque de talent par la qualité du matériel. C'est pas con, hein. Oh putain, j'ai vu. Fils de pute. Normalement, on le voyait, genre, putain. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Oh là là. Ils sont débiles dans ce jeu. C'était évident, mais bref. Oh là là. J'ai eu peur. Tandis que la ville de Norskill s'endort. Ah, c'est ça que j'avais en tête. Dans les bois pleure un mort. Lorsque pourrissent les corps, le loup affamé sort et l'implacable shérif rôde encore. Qui a fait cette satire? Et l'autre, il est vraiment en mode loup-garou là. J'ai rien à faire avec. Peut-être que ça me servira plus tard, je pense, puisque pour le moment on n'en a pas eu l'utilité. Tu fais quoi? J'attends le shérif? Continue à chercher, hein, vas-y. Allez dormir. Genre là, elle a plus d'œil et tout, elle va se poser dormir en détente. Je vais voir s'il n'y a pas une carte au cas où. Attends, le shérif, il a tout ça pour lui tout seul, là? C'est quoi, ce bordel? Je pense qu'on va trouver une carte quelque part. C'est tellement bien fait, le jeu, mon dieu. C'est le début où t'as bien avancé. On a... Merde. 5-6 heures de jeu, je pense. Que je me repose.
Pourquoi elle part pas? Bah je pense qu'elle veut juste pas abandonner son copain. Elle sait qu'il se transforme mais il existe quand même, tu vois. Il y a juste des journées un peu sombres. Oh, c'est des faux badges en fait. Celui qui portait ça doit pas être en forme. Ah non, ok, j'ai cru que c'était un faux badge, un badge de shérif en chocolat, genre. Mais genre, dans tout ça, y a pas une carte. Les gars, j'arrive pas à le croire. Je suis le tour partout à la recherche d'une carte. Je marche vite. De toute façon, quand il y a une carte, ils zooment dessus, donc... Elle veut pioncer. En même temps, ça doit fatiguer de se vider de la moitié de son sang par l'œil. Et d'avoir pour seule réaction... Oh non, adieu, vu en 3D. C'est tellement pas ma réaliste, genre. Ok, la seringue. Oh, putain, je peux le garder, ça, ou pas? Ça doit être avec ça qui m'a endormi. Ah non, merde. Ce que j'allais dire, on le garde, on endort le flic, au pire, pour se barrer. Après, lui, il nous garde vraiment pour notre bien, donc... Et on va se retrouver à piquer le flic. Ok, là je peux pas passer. Dans un sale état, le merdier. Et ouais, la pleine lune, elle est cochée, c'est exactement ça en fait. Il se change. Birthday beer. 7 juillet. Il se change en truc à la pleine lune et du coup c'est pour ça qu'il s'inquiétait vraiment des timings de la colonie et tout ça, tu vois. Donc c'est ça, c'est la pleine lune, c'est bien une histoire de loup-garou. Bon, on se pète, hein, y a pas de carte. On a tout checké, on va aller se pioter, mais on a gagné une seringue. Je dois m'allonger. Elle entend son chéri grogner. Vas-y, je dois m'allonger, ok. Fermé. Bien sûr. Et je peux pas laisser Max. Je ferais mieux de fouiller. Ou de retourner attendre dans ma cellule, sinon... Vu qu'il va voir qu'on n'a pas essayé de se barrer dans la cellule, il va devenir pote avec nous après. Enfin, il va nous laisser libre, je pense. Y'a pas une carte, des fois? Non. Y'a une lettre. Qu'est-ce que tu caches, Travis? Appuie sur LB pour afficher. Ok. J'ai pas trouvé le bouton. Putain, y'a pas une carte cachée, genre aucune. En deux mois de colo, y'a pas eu une seule pleine lune. Bah je sais pas, c'est tous les combien les pleines lunes. J'en ai aucune idée. ...28 jours. Ok, bah je sais pas. Allô? Ok, yes. 28 jours, bah je sais pas, ils ont peut-être fait une soirée où ils restaient tous à l'intérieur, ils ont fait une soirée pour faire genre tout allait bien, tu vois, genre j'en sais rien. En mode, allez, ce soir c'est soirée pyjama, on reste tous à l'intérieur. Trop cool. Ça, pour un indice, c'est un sacré indice. Bah 7 juillet. Jour et mois sans l'année. Allez, Laura, merde. Bah c'était 0707, non? Mais attends, mais on l'a trouvé le mot de passe pour... Enfin, son anniversaire sur le truc, pourquoi ça marche pas? Ah, il me faut l'année, ok. Jour et mois sans l'année. Allez, Laura, merde. Vous voyez, il y a le truc. Vous pensez qu'il y a le truc ici, les gars? Pour que je trouve l'année ou pas? Ou c'est un bait pour me faire perdre du temps? Qu'est-ce qu'on aurait pas vu peut-être ici? C'est le seul endroit qu'on n'a pas regardé, je pense. Anne Radcliffe et Edward Benson. Qui ça peut être?
Ah, c'est les gens transformés en loup-garou, je pense. J'ai fait ce que je pouvais. J'en peux plus. Il faut que je dorme. Je pense qu'il n'y a rien d'autre, en vrai. Ou que c'est pour plus tard ou quoi. Oui, pour quelqu'un qui a perdu son œil, elle est en détente. Là, on a tout fouillé. En haut, on a tout fouillé, de toute façon. Je vais regarder si là, on peut ouvrir les trucs. Ok, ici, il y a encore un truc qu'on n'a pas fouillé, apparemment. Qu'est-ce qu'il cache ? Qui semble être fermé. Ça me gratte le nez, les allergies, les gars, c'est le pire truc, hein. C'est vraiment infâme. Il y a que dalle. Ah, il y a encore une porte. Fermé aussi. Bon. Bon, on a tout vu, là. Elle entend son chéri péter les plombs, elle va dire « Oh, il faut que j'aille dormir. » Ok, bah les gars, on a tout fouillé. Je pense que c'est pour plus tard, le truc de l'année. Attends, je suis pas allé dans la salle de bain, je crois. Ok, salle de bain, j'ai pas fait. Bon, bah voilà. y a plus rien. Enfin, je crois pas. Est-ce qu'on vous a demandé le code? Non. Bah surtout qu'on s'en branle du code parce que pour finir elle va pas réussir à le mettre. Donc c'est pas... Même si je le savais je pourrais pas le faire. C'est elle qui gère. Je vais dormir, vas-y Balek. De toute façon j'aurais vu quoi sur le PC? Oui il y a des loups-garous. Bah frère je viens de voir mon chéri se transformer en loup-garou sous les yeux, j'avais pas besoin de toi hein. Par contre, c'est Glo qui me fait pas des grosses caresses là, qui se prend pour qui lui? Tu vas me dire ce qui s'est passé? Je peux vous retourner la question. Pourquoi pas fuir? J'ai confiance en vous. On n'en a pas terminé. On n'en a pas encore terminé. Ah bon? Je ne partirai pas sans savoir exactement ce qui se passe ici, vous m'entendez? Je pense qu'il en a bien rien à foutre. Parce que je pourrais déjà être loin. Mais je suis là. Parce qu'il faut que j'aide Max. Arrêtez spoil. Mais oui, arrêtez spoil. Les spoils, c'est pas une def, hein. Tourne-toi les mains contre le mur. Sérieusement? Je suis trop crevé pour me battre. Mais... Moi aussi. Tiens, je vois que t'as pris tes aises. C'est avec ça que vous m'avez endormi, pas vrai? C'est très dangereux. Vous auriez pas pu en injecter à Max hier soir? J'aurais peut-être pas perdu un œil. Si. Si, mais c'est extrêmement pénible à faire. Je suis sûr qu'il est pas méchant dans le fond, le flic. Il fait ce qu'il a à faire, quoi. En tout cas, elle gère bien, elle perd un œil, zéro douleur, son mec explose, zéro pleur. Ouais, c'est n'importe quoi. Ah, il explose, il devient loup-garou. Ok, d'ac. Je perds un œil. Oh, putain, je vois en 2D. Fais chier, pas de bol. C'est quoi? C'est éducatif. Regarde. C'est l'histoire des loups-garous. Allez hop, enjoy. Tu l'as bien nettoyé. Ton œil, je veux dire. C'est plus dur qu'ils le disent dans les manuels. Surtout quand il n'y a personne pour nous aider. C'est toi le docteur? Pour les animaux, et non. En fait, je le serai sans doute même jamais. On est coincés là pour toujours. Parfois... Merci Bibi, merci beaucoup pour le soutien, c'est adorable. Merci mille fois. Sans vraiment savoir. Tu me suis?
Non. Je suis pas... Il faut pas se fier aux apparences. Il va falloir être un peu plus précis. Max et toi, vous êtes tout autant dans la merde que je suis. Ma famille... On voulait pas faire de mal. On veut survivre comme n'importe qui d'autre, tu comprends? Pas vraiment. Je suis sûr que c'est leur enfant ou quoi. On va y mettre un terme une fois pour toutes. Va falloir toutes les tuer à un moment. Ouais. Ou alors qu'ils s'enferment tous les 28 jours. Finissons-en, vas-y, hop. Pas de questions. D'accord. Ouais, finissons-en. Laissez-nous partir et on ira trouver de l'aide. Bah, je crois qu'elle a pas bien compris que son chéri c'est mort pour lui. Vous êtes vraiment en train de me demander de vous aider ? Je veux pas que tu m'aides, moi. Tu vas faire ça pour Max. Et moi j'aurai ce que je veux. Putain, mais le flashback que j'ai eu tout à l'heure, je pense que c'est moi qui tuais Max. On va voir si t'es vraiment futé. Je me demande. Quoique la balle tout à l'heure, ça, j'ai pas eu l'impression que ça lui fasse quoi que ce soit à l'autre. On va voir. Qu'est-ce que c'est ? Des instructions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, je vais regarder après Yoshi, après la cinématique. Quand dans le tu pourrais voir, oui, je sais. Est pleine, la bête c'est ce que j'étais en train de me dire, justement. Souveraine. Les brebis errantes, elle saignera, mais les points d'eau, elle redoutera. Bah, c'est pas dur à comprendre, elle a peur de l'eau, si quoi. Si ce dame en vous se révèle, à l'argent tué, l'originel. Quand le disque brille au firmament, oxyre la source de vos tourments, conjurera votre infortune. Ouais, bah en gros, quand la pleine lune elle est au plus haut, on tue le merdier, quoi. Bien. On tue le premier, l'originel. Faut savoir qui est l'originel. Prendre l'arme. Bah non, putain. Et si morsure vous subissez, d'amputer, il faut vous presser. Pour une chance de sauver votre âme avant que ronge le mal infâme. Tu commences à voir l'idée ? Ouais. C'est léger niveau info. Bah non, il y a tout dedans, genre. C'est léger niveau info, il y a tout. Il y a tout. Il y a quand ça arrive, ça craint quoi ? Comment faire pour l'arrêter ? Qu'est-ce qu'elle veut de plus ? Mais c'est tout ce qu'on a sous la main. Mais ça suffit, ça suffit. Comment ça ? Il y a assez léger comme info, mais ils sont cons les deux. Putain, ils ont pas inventé. Ils ont pas inventé le fil à couper le beurre, hein. Je vois vraiment rien de bien compliqué. Ah ouais, moi non plus. Si tu peux tuer la bête, et c'est pas gagné. Je veux juste sauver Max. C'est plus dur que tu pourrais le croire. Pourquoi ne pas l'avoir tué ? Je suis pas infecté, c'est avec les morsures. Si vous saviez tout ça, pourquoi vous l'avez pas abattu dans le sous-sol quand vous pouviez le faire ? Enfin, c'était... C'est plus dur ? Ouais, non, c'est pas... Parles. Ils sont pas faciles à tuer, je voulais seulement vous protéger. Mais oui, c'est sûr, moi je le crois depuis le début, pourquoi personne m'écoute, putain ? Bon, quel est le plan ? Elle est encourageante, merde ! Alors, c'est quoi le plan ? Ben, c'est là que je compte sur toi. Oui, il y avait la police, excusez-moi. Ouais. Avec tes études ? Je les ai même pas commencées. Ouais, mais t'es ma meilleure chance. Je chasse ce putain de loup blanc au clair de lune depuis si longtemps que je me demande s'il existe. Mais si ça se trouve, il y a un autre moyen. Quoi que tu en dises, la science doit aider. Et ça, c'est ton rayon.
Écoute, prends le temps de réfléchir à tout ça. Je reviens demain matin. Focus ta gueule. Convaincu? Donc lui, il compte sur une étudiante veto, qui est même pas encore étudiante veto, pour résoudre le problème de loup-garou. Par pitié, Yoshi, s'il a du spoil, mettez des giga pandef. Des pandef énormes. J'aurais pas cru un mot de ce qu'il a dit si j'avais pas... Si j'avais pas vu ça. Merci, merci les bonos. Je le crois. Moi, je le crois. Tu vas pas me dire que tu lui fais confiance, quand même. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je le croyais pour... les loups-garous, pas pour la science. Je sais pas ce qu'il espère. C'est un pourri qui enlève des gens, Laura. On devrait se méfier de tout ce que tu... Non, il a raison, il a raison. C'est toi le loup-garou, là. Détends-toi, Max. Tu es complètement con. Tu es délu. Max, vous êtes délusionnel. Bon. Vous êtes un Yasuo-Mine qui pleure pendant toute la game. Il a eu sa chance d'arranger ça. On va sortir d'ici et régler ça nous-mêmes. Laura ? Ouais. Il se transforme, oui, il se transforme que pendant les pleines lunes. Ce que j'ai fait à ton œil. Ouais. C'est grave. Bah, j'ai plus d'œil, quoi. Ouais, plutôt grave. Je suis désolé. C'était pas toi. C'était pas toi. Allez, le soleil, on part, c'est bon. Je sais que c'était pas toi. T'as assez fait le malin, là. Mais quand même. On va te soigner, Max. Promis. Merci, Yoshi, pour le sub offert à Hilo. Bienvenue, Hilo. Je te le promets. Merci beaucoup, vraiment, ça régale. Qu'ils sont là, les moniteurs qui sont pas au camp. Ça vaut mieux. Il a dit que t'avais trouvé une voiture abandonnée. Il y a un moment, et j'en ai déduit le reste. Et merde. Pourquoi ? À ton avis, Chris ? Mon Dieu, Travis. Ils sont encore là, mais tu débloques. Mais t'en as mordu un, Chris. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? C'était quoi ? C'est lui ! En fait ! Tu m'as tiré dessus. Maman va t'arriver. T'as de la chance que ce soit pas de l'argent. C'est quoi le plan ? Tu peux pas les garder comme ça. C'est pour ça qu'il s'est barré ! Si t'avais fait ton boulot... Le soir de pleine nuit, je me demandais pourquoi il était pas resté les protéger, mais en fait, c'est lui la menace. Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle. Tu penses à ça... Enfin, la menace originelle, mais attends, ça veut dire que c'est lui qu'il faut qu'on tue, en fait. Cette fouine de journaliste. Bordel, Travis, qu'est-ce qu'on va faire, maintenant ? Faut tuer Chris ? Vous croyez qu'on devait tous se serrer les coudes. Max ! Hein ? Max ! Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Travis était dans le couloir à parler, le flic ! Et ? Avec Chris Hackett ! Il est venu nous faire sortir ? Non. C'est le loup-garou. Max, c'est Chris Hackett qui t'a mordu quand on était dans le sous-sol. Putain de merde, c'est... C'est pas possible ! Bah si. En même temps... Quand on y pense, c'est logique. Ah bon, tu trouves ? Bah, tout concorde. La voiture de Chris était au chalet ce soir-là. Mais il était pas là. Travis voulait le protéger. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol. C'est parce que c'était son frère, putain. Putain, je suis trop fort, les gars, par contre. C'est Chris qui m'a mordu, alors... C'est plus ou moins ce que j'ai dit, hein. J'ai dit que c'était un membre de leur famille, j'y étais, quoi. Ouais, c'est notre remède.
C'est lui qu'il faut tuer. C'est ça qu'on te soigne. Putain, Laura, tu penses à la même chose ? Eh ouais, faut le tuer. Demain, on va sortir de là. Je vais prendre le flingue de Travis et tuer Chris Hackett. Laura se sent mal. Pourquoi le remède? Parce que il nous a fait écouter une genre de chansonnette, et enfin lire un truc, un genre de poème ou j'en sais rien. Et dans le poème, il y avait marqué, ça disait qu'en gros, pour libérer tout le monde, il fallait tuer le loup-garou originel. En gros, c'était ça le truc. Attends, je vais regarder la carte de tarot tant que je suis là-dedans. J'arrive pas. Il se passe quoi? Je peux pas. Enfin, je crois pas que je puisse. Non, je peux pas. Laura. Laura, tu vas bien? Non, tu dis. Bah si, bah non, je peux pas. Je viens de le faire. Genre ça marche pas, je suis sur les gâchettes là. Ah c'est peut-être celle-là. Ok, my bad. Ok, j'étais sur la mauvaise gâchette. J'y étais presque. Bref, on n'est pas obligé d'en reparler. Revoir la vision. On voit tellement mieux la vision là. Ok, donc en volant le truc, j'ai tué le flic. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que quand il nous montre ça, c'est qu'on doit pas le faire? Ou pas? Je pense que c'est pour éviter de le faire, non? Genre quand je lui vole son flingue, là le mieux c'est que je le tue pas. Du coup. C'est quoi ce bordel? On va essayer de faire attention en lui volant son flingue du coup. Je le prends pas. Lève-toi. Allez. Vous avez pas choisi le bonsoir pour me faire chier, vous deux. Ah bah non, je voulais juste pas qu'il te tue. On tire pas. C'est moins marrant maintenant, hein? Éloignez-vous! On tire pas. Donnez les clés. C'est pas une bonne idée. Il a raison. Désolé, j'ai pas le choix. Désolé, j'ai pas le choix. On peut discuter. C'est trop tard pour ça. Les clés. Je sens qu'elle va le tuer même si je veux pas le tuer. J'en suis sûr, les gars. C'est trop de la merde, ce jeu. Ok. D'accord. S'il essaie de me prendre le flingue, je laisse faire. De toute façon, j'ai fait exprès. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'il fasse une dinguerie, je sais pas pourquoi. Ok, ça change rien qu'on ait fait tomber les clés. Ok, bon, au moins il est pas mort. Let's go. Tu peux pas recommencer, non, c'est pas le principe du jeu. Je t'en aurais pas cru capable. Ah bah merci, ça fait toujours plaisir. Viens, allez. Laura, pense à ce que t'es en train de faire. On fait moins le fier. Si vous preniez le temps de réfléchir un peu. Hop là, on est bien rancunier. Je m'excuse. Désolé. On n'est pas méchant, putain. Oui, c'est débile ce qu'elle fait, mais bon, y a pas le choix.
sont nos affaires? On cherche des balles en argent. Il doit en avoir ici. Pourquoi il y aurait des balles en argent ici? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre quelqu'un. Ça fait chier les lags. Ça vient de derrière la porte. Ah, il l'entend aussi. Tout est de leur faute. Tu les tous. Oui, oui, ils ont dit que c'était l'argent qui tuait les loups-garous. C'est trop chelou. Max, il a toujours des super outfits différents. C'est quoi? Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est bien ça qu'il faisait. Il chassait. Bon, du coup, j'ai plus besoin de ce truc-là. Ça va, mon stambi? Hey. Je viens de me rendre compte. On est libre. Pas tant que Chris vivra, je suis badass. Non, Max. On sera libre quand Chris Hackett sera mort. Et je crois qu'il nous reste peu de temps. Voilà! Dis bien! C'est vrai, mais... Dis bien! Ça reste une petite victoire, non? On fêtera ça une fois tranquille. Il faut qu'on aille à Hackett Square et régler le problème. Ce soir. On est armés jusqu'au cou. On est trop bien, les gars, là. On est trop trop bien, vraiment. Il y a une salopette Mulcahy. Les gars, premier degré, j'aime bien les salopettes. Et j'en ai vu une noire qui est incroyable de Carhartt. Et je crois que je vais la prendre. Je vous jure, je serai stylé en salopette. Je suis arrivé là, au camp. J'ai déposé Max sur l'île. Je me suis dit que c'était le plus sûr, avec l'eau autour, tout ça. Voilà, c'est toute l'histoire. Surtout, parlez pas tous en même temps. Ah oui, mais en même temps, c'est dur à croire, ton histoire de merde! Attends. L'île, genre notre île à nous? Tu veux dire l'île du lac? Ouais, pourquoi? Ben, Jacob, il est allé chercher Emma là-bas, mais il est pas encore revenu et elle non plus. Oh merde. Et ouais, vu que c'est entouré d'eau, l'histoire de pleine lune, il va sur le truc du lac. Ça devrait aller. Bon, du moment qu'ils cherchent pas à fourrer leur nez là où il faut pas, ça devrait aller. Fourrer son nez là où il faut pas, c'est... le surnom de Jacob, c'est vraiment la merde. Et là, on va basculer sur Jacob et tout, non? Quand vous m'avez vu à la piscine, après que j'ai tué... Chris... Je suis retournée sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Mais... Attends, mais elle a tué Chris? Comment ça, elle a tué Chris? Ah, ok, on va voir. On va voir ce qui s'est passé, je pense. Max? Oh, vous voulez une info marrotte? Max? T'as, je coupe la cinématique juste pour vous dire une info marrotte.
Vous savez, hier, quand on a lancé le jeu, ils nous ont dit, t'as le choix entre le mode streamer, pour avoir des musiques libres de droit, et le mode non-streamer. Ok ? Donc on a mis le mode streamer pour pas se faire, pour pas avoir de problème. Devinez qui a des problèmes sur YouTube avec les rediffs. Trop bien leur mode streamer, c'est une dinguerie. Il est vraiment au point. Je me suis fait striker toutes les VOD. On a coupé la première partie en deux parties de 2 heures. Les deux ont eu des strikes. Aucun sens, mec. C'est vraiment de la merde. Ça au cas où il y a un QT ou quoi. Mais pourquoi il a un cache-œil? Putain, le sort d'où son cache-œil déjà? Ça se trouve pas comme ça un cache-œil, je pense, hein. Mais tire-lui dessus si t'as tout ce qu'il faut là. Ah non, mais en fait c'est son mec et qui est quand même devenu un loup-garou, c'est ça? Oui, j'avais oublié que c'était Max. My bad. Théma, Max, il cambre, il a bien cambré là. Il a bien sorti le boule. Donc le loup-garou que j'ai tué, c'était pas Chris. C'était pas un loup-garou, c'était Kaylia Kett, la fille de Chris. Quand j'ai tiré dessus, c'était pas elle. Peut-être, je sais pas, qu'elle est redevenue. Et voilà, en fait, elle a tué sa fille qui, elle aussi, était... Mais je suis trop fort, les gars, j'avais tout compris. Pourquoi Max t'a pas tué, alors? J'ai pu lui échapper. Il faut que j'en finisse. Un autre bras à couper. Il nous reste peu de temps. Putain, j'ai perdu un œil, un bras. Il va pas me rester grand chose, hein. Je vais finir en femme tronc aveugle. Rien qui va. C'est qui celle-là? Merci Randa, merci beaucoup pour le soutien. C'est votre petit dernier. Ça sent bon, hein. Vas-y, mange un bout. Allez. Abruti d'animal. Lâchez-moi! Lâchez-moi, putain, laissez-moi partir! Ah! Pitié, relâchez-moi. Laissez-moi partir, ok? C'est pas de ma faute, il s'est parti en couille! Je vous en supplie! Mais pourquoi vous dites rien, putain? Ouais, ça, on se demande tous pourquoi ils disent rien depuis le début. C'est de l'argent que vous voulez, hein? Parce que mon père, il en a! C'est un tas de fric! Enfin, pas vraiment! Mais il en trouvera! Enfin, j'espère! Pitié! Mais pourquoi il parle pas? Ça n'a aucun sens! Je suis tellement désolé! Oh putain de merde! Mais eux, ils sont pas gentils en fait, pour finir. Là, ils me mettent dans la cage où il y a un autre qui est en loup-garou à côté, eux, ils font des loup-garou exprès, je capte pas là. Il fait peur lui, hein.
là, je vais me faire strike encore. Ça ressemble pas à une musique libre de droit, ça. Hop là. Allez, pas de VOD une fois de plus. Et ça, du coup, je saurai demain qui c'est. C'est pas libre de droit. Fais le bruit du loup-garou par-dessus. La 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 la. Je me remets les couilles. Si vous avez l'impression que je suis en train de me remettre les couilles, c'est parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire, chat. Je vous dis au cas où, voilà. Hop. Nickel. C'est bon, tout est en place. El Paquito. Este... J'allais dire... Je sais pas comment le dire en espagnol. C'est Michou quand il y a les musiques libres de droit. Ok, ok, ça marche. Toujours ravi de vous voir. Là, j'ai pas une carte, je crois. C'est amusant de plonger dans le passé. Ils sont horribles, pas vrai? Penchons-nous sur ce que vous avez trouvé. Rien à montrer. Mais attends, pourtant, j'ai fouillé tout là. Comment je pouvais trouver une putain de carte? J'ai fouillé toutes les pièces, tous les trucs. À l'aveugle, à vous de voir. J'ai tout fouillé. En vrai, je comprends pas. Nous reverrons encore. Je vous jure, je capte pas, j'ai tout regardé. J'en suis ravi d'avance. Tant que vous suivrez. The balls are in place. Exactement. Voix, bien je comprends plus rien au jeu. Bah, y a rien d'incompréhensible, hein. Il a même fouillé El Paquito. Et j'ai même fouillé mon paquet, il y avait aucune carte. Je comprends pas.